البداية نعبر على إعجابي. أنا شفت لي زيكسبوزي قبل تاع لي ديفيرونت كوميتي تاع تجمعت إعجابي فيه ثلاث نقاط. الأولى هي أنونجاجمون، أنونجاجمون سيتويان فيه التزام تاع مواطنة قوي جدا، مبادرة، مشاريع شفتها قبيلة تاع المياه، تاع الطرقات، تاع تجميع، تاع مرافقات تاع مالية لهذه المشاريع. هذا يخليني كرئيس مرصد نطلب سيد الوالي أننا نعقد لقاء وطني حول تجمعت، وأيضا تقاسم هذه التجارب تاع المواطنة عن طريق مؤسسات اجتماعية وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس في الفيلاج، وقدر تأخذ أشكال وطنية في مختلف الولايات. هذا إعجابي الخاص. وخليني أقول بلي التجارب هذه راهي متقدمة أكثر من البعد الاستراتيجي والتنظيري والتخطيطي لهذه المشاريع. الناس راهي تخدم أكثر من لي موديول دو كونسيبت في حد ذاتهم. دونك يا اون افونس اون ماتيير دو براتيك أكثر من لي كونسيبت تيوريك. وهذا يعتبر مهم جدا اللي نتقاسموه كتجارب فضلة كوم دي بون براتيك على مستوى مختلف الولايات. طرحتوا قضية مهمة جدا والأخت قبيلة كملت كلامها، قالت اسكو غيالمون يا ان ديبا ان ديالوغ اسكو سي سانسيغ اسكو سي با كونجونكتورال ولا قال جا بريزيدون تاع المرصد تيزي وزو انا اوفير ان ديبا اي ان ديالوغ سويت على لوريونتاسيون دو مسيو بريزيدون دو لا ريبوبليك. قال لي فو ديسكوتي افيك لا سوسيتي سيفيل ومن بعد قال بون العشية اون تيرمين افيك كيلكو فيديو اي اون فا رونتخي شي سوا. نو سي سيتي سا مو جادير با سو تيب دو بروسيس. Le processus est là, mais je ne sais pas, parce que moi je crois à une dynamique de société civile réelle, sincère. Je ne sais pas si je dois dire que je suis dit que c'est terminé. Non. Un débat a la pérennité, a le dénouement. Un débat, et avec mes collaborateurs conseillers qui sont là, on est en train d'inscrire toutes les préoccupations. Là, vous avez posé la question de la sincérité de ce débat, ce dialogue là derrière nous. Oui. Il y a une profondeur, il y a des rapports qui vont être transmis à M. le Président de la République sur toutes les questions qui ont été posées. L'eau, l'électricité, les relations collectivités locales, comité de village, mouvement associatif, toutes ces questions. Et je pense que le premier responsable à noter toutes ces questions, c'est M. le Wali. Il représente M. le Président de la République. Donc il est en charge directe de trouver des solutions et des réponses, mais avec une approche participative. Ce n'est pas juste de réaliser un projet par rapport les autorités locales et un service rendu. Non. L'approche participative, c'est l'implication directe dans la prise de décision. Et c'est pour cette raison que je réponds à la première question importante sur la gouvernance, le hakama. Comment on va gouverner le type de rencontre? L'oula, c'est l'amendement de la loi sur les communes, Qanoun Baladia. Il y a actuellement, que je vous donne une bonne information, Qanoun Baladia, il y a un chapitre réservé à la société civile locale. Un chapitre, mais c'est un article. Il y a un bab kamel, il te parle de la présence de la société civile dans la prise de décision. Akhd el qarar, kifash yshark, kifash yqdem rayou, ou kifash ybhet ala l'aliyat. Numéro 2, la gouvernance. Smaht wahed 3 ou 4 questions spécialisées sur la santé. On ne peut plus maintenant gérer des activités avec des subventions. Il nous faut une approche projet. Ou ta'arfou amir tizi ouzo. Il y a pas mal d'associations qui ont réalisé des grands projets en envergure nationale et un impact même régional et international. Donc l'approche projet, il faut qu'on détermine les projets, on détermine les outils, les besoins, le budget, les financements, le public cible. C'est terminé quand on présente juste une activité liée à un public très limité, très dans le temps ou l'intérêt de l'endroit. C'est pour ça que je vais avec le besoin. T'as le médecin où il est, où il est, où il est, le transport, l'hébergement, le travail. Et puis, nous un travail spécialisé. S'il y a un travail actuellement avec le DSP, eh ben, ça sera un travail avec un projet avec DSP au courant de toute l'année par rapport à l'objectif, la sensibilisation, les campagnes, la thématique choisie. Par rapport, donc, nous sortons d'un travail conjoncturel lié juste à une activité ou une visite ou une campagne de sensibilisation, mais on y va vers une approche projet qui fera toute une dynamique, un public, un partenariat des acteurs du secteur gouvernemental, de la société civile, des médias et même le secteur financier, économique, public ou privé. Donc c'est important de changer l'approche de gouvernance du travail de la société civile. On a dit que les 16 km qui ont été réalisés par rapport à l'acheminement de l'eau et la route. Mais je suis sûr que la route ou l'eau,
تكلمت لا ديرنيير انترفيونت يعني تريز امبورطون سي تريز امبورطون شكون تحكي قبيل ويهمنا بعد الماء وبعد الطريق وبعد الالكتريسيتي يا لا في دي جون في الفيلاج لا بروتيكسيون دي جون كونتر لا دروغ لا دروغ كونتر لا ديلينكونس كونتر توت فورم دو كريميناليتي كي توش ا نو جون لي جون تاعنا فيف ماتون دون ان مينوت اوفير ا ترافير الانترنت لي ريزو سوسيو il y a une nouvelle tendance qui s'installe au niveau mondial. Comment on va protéger nos jeunes par rapport aux acquis que le comité a réalisés? Un effort extraordinaire, كبير. Drahem, la cotisation, 50 dinars, c'est un effort important. La vie du citoyen qui fait chkoun, l'électricité. Comment il va vivre? Le bien-être du citoyen, et c'est là un nouveau challenge. Qui s'installe pour un prolongé de protéger nos jeunes. Protéger nos jeunes parce que nous avons une certitude d'information qu'il y a d'autres pays qui visent nos jeunes, des voisins qui ne sont pas très loin, visent nos jeunes avec des tonnes de drogue. Donc là, c'est très important que toutes ces structures réunies que nous avons entretenues, telles que les écoles que vous avez bien préservées, pour préparer un bon niveau scolaire, un bon environnement d'apprendre. Le savoir dans les écoles, c'est extraordinaire. L'eau, l'école, l'environnement, l'implication citoyenne. Nous avons vu des femmes très engagées, actives. Comme le professeur il a bien exposé le terme que j'ai bien cité, la citoyenneté active. Ça, c'est très important. Mais le bien-être de jeunes, le bien-être de le jeune, de le citoyen, le quotidien. Le quotidien, comment on va le préserver? Allez, bien comme, حبة واحدة تاع drogue. دخل ان فان بونبون ولا شيكولاتة تاع روشي فيرو pour une jeune fille في l'université ça déstabilise toute une famille toute une vie tout un quartier راهم l'objectif et le public cible est en train de prendre des dimensions très 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 inquiétantes et c'est pour ça que la société civile قدر ما نحكيوا على l'implication citoyenne تاعنا par rapport à l'amélioration du cadre de vie اللي هي l'école les routes le transport les différents services de l'État qui doit être réalisés d'une manière permanente, mais il y a également le bien-être, le quotidien. واحد يقول لك انا كرهت، واحد يقول لك عييت، مليت، واحد عنده يأس. On a une mission واحد اخرى en tant que société civile d'améliorer cet équilibre تاع les jeunes تاعنا à travers des projets de jeunesse, de femmes, d'enfants, d'environnement. هادو تاني سي des choses بالك ماهمش يبانوا لنا دوك comme priorité. Parce que les priorités, les comités qui te l'accordent, mais ils travaillent. Mais on a également notre travail. Donc, pour renforcer le travail du comité de village, la loi sur les communes est très importante pour donner place à ces comités. Mais c'est une place juste symbolique, mais une place en tant qu'acteur participatif, parce qu'il a un mandat de représentation sociale. Il a une communauté qui représente. Et il a un mot à dire dans la prise de décision et les délibérations. Ça, c'est très important. Et on est en train d'attendre cette loi. Je pense qu'elle est en phase finale d'élaboration. Également, une question m'a été posée directement sur ta affiliative, sur est-ce que la société civile peut gérer des projets? Ben, je dis oui, elle peut gérer des projets. La loi sur les associations, elle va être révisée une deuxième fois. Le président de la République a demandé une autre lecture, une autre proposition. Et nous avons actuellement une certitude avec un plaidoyer qu'on est en train de faire pour justement intégrer l'entreprise sociale autant qu'outil dans le travail de la société civile. Parce que la société civile, ce n'est pas uniquement un ensemble d'animations ou d'activités ou de plaidoyer, mais si on dit aujourd'hui que la société civile est un partenaire dans le développement local, avec quel outil? Il a qu'un chérique qui est le Mahli ou le Rachid, ou si il y a un pays européen, là je viens d'avoir le dernier rapport, ils fournissent plus d'1 800 000 postes d'emploi de la société civile pour l'année 2022. Un autre pays qui est la Turquie, c'est 2 millions de postes d'emploi. Donc quelque part, la société civile, il a un acteur dans le développement social. Laisse-moi libérer à travers les lois, mais dans l'économie solidaire. Il ne faut pas qu'elle se transforme, une entreprise de travail, les canalisations, l'homorokibéra. Si ça réussit en tant que start-up, mais le plus important, c'est que tu as l'impact social ou la capacité de répondre le besoin de un autre frère. Il m'a parlé des autistes ou l'école les Raïsoufrifiages. Je l'invite avec mes collaborateurs qui sont ici, les conseillers qui sont ici de l'Observatoire, de prendre contact pour les aider dans cette approche et dans les défis. Il y a un domaine classe, donc si le Hadir a nous dans la salle, on prend contact. Nous avons un réseau associatif qui travaille sur la question et on va faire les connexions
pour vous aider sur cette question. Donc on s'engage pour vous aider et on va voir avec M. Wali sur le côté matériel quels sont les besoins de cette classe pour les autistes et quels sont les besoins pédagogiques également. Donc on va intervenir pour trouver chacun des réponses. La formation, c'est Hajara Ouhenef Lassalle. La formation actuellement, on va commencer avec le digital. La formation maintenant, c'est la plateforme digitale qui va se lancer dans quelques jours. L'objectif, c'est comment gérer des projets, comment entretenir et gérer une association, finance, administration, planning stratégique. Avec un nouveau mode, ce n'est plus avec l'histoire de non, c'est des vidéos, des slides, pour permettre justement l'objectif principal. C'est comment arriver au village, comment arriver au Qsour, au dernier point des frontières du pays, parce que les jeunes, les Rambad, les Haboula Source Civile, mais ils ont la possibilité de payer un billet d'avion et de venir passer 3 ou 4 jours dans une formation. Donc, la toile digitale actuellement, elle va nous permettre justement de faire ces connexions très rapides et de découvrir les besoins et l'accompagnement de ces besoins par rapport à la ressource humaine ou autres projets. Alors, je résume l'intervention de l'Observatoire. Tout d'abord, je suis très content de cette implication citoyenne très forte, cet engagement, ce modèle de Tejmet, que je personnellement, je vais rentrer sur Alger avec une conviction de le transformer en partage national, de bonnes expériences et bonnes pratiques. Et pourquoi pas d'inviter l'université à organiser un séminaire national sur l'entreprise sociale avec son ancrage culturel, son ancrage dans le patrimoine pour justement faire les connexions nécessaires avec les TIC, avec l'entreprise sociale, avec les start-up et de rendre ce produit beaucoup plus à la demande actuelle de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a une demande locale au niveau des villages, par rapport à l'eau, l'électricité et les différents services de structure de santé, mais il y aura une autre demande beaucoup plus supérieure après cette réalisation de ces demandes. Et là, c'est les jeunes, c'est l'emploi, c'est le bien-être, c'est l'environnement, c'est les différents services que les jeunes attendent. Et là, on doit s'inscrire un peu dans cette future demande pour justement renforcer Tejmet en tant qu'entreprise sociale, comme assez stimaïa. قوية تعمل على صيانة العلاقات الاجتماعية وأيضا إضافة المنتوج تاع القيمة الاجتماعية والاقتصادية. أنا هذا نعتبره من العناصر المهمة جدا في اللي شفتها اليوم في لقائي في ولاية تيزي وزو. تكلمتكم على قانون البلدية، على قانون الجمعيات المراجعة تاعو باش نقوي الأدوات اللي تمكن الجمعية أنها تكون عندها الاستقلالية في إدارة المشاريع تاعها وما تكونش عندها مشاكل مع القانون لما تتعامل مع هذا الموضوع، وبالتالي تعاود تنتج مناصب شغل وتنتج أيضا القيمة المضافة للأعضاء تاعها. في نهاية كلامي أنا في هذا اللقاء يعني جد معجب جو مي ريسورس توجور مع الليدرشيب تاع لا سوستي سيفيل à Tizi Ouzou et inchallah vous êtes invités et on va vous faire préparer des invitations le mois de décembre pour le forum national et on va officiellement à partir de cette réunion partager la bonne expérience de Tejmet dans cette rencontre nationale et merci. Shukran. Shukran.